Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo avec le nouveau personnage de la collab, donc Yuri. Pour parler rapidement de Zad, je sais pas comment on l'appelle, bon, je m'en fous un peu de sa gueule maintenant. Oui les gars, c'est un peu dur ce que je dis, mais... En fait les gars, le personnage il m'a dégoûté, genre vraiment... Le personnage en vrai, quand tu lisais etc, t'étais ultra content, mais le perso il est mal fait, il y a énormément de défauts. Bon, franchement les gars, le perso il m'a dégoûté, en plus il te fait chaff sur la bannière. Ouais les gars, franchement, c'est peut-être ma plus grosse déception depuis le début du jeu. Voilà, j'en parle très rapidement. C'est pour ça que ce personnage, en vrai, m'a littéralement m'a dégoûté. C'est pour ça que j'ai dit, je m'en foutais de sa gueule. Voilà, on dit les termes. Donc, Yuri, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que, en fait, c'est un personnage support pour la team humaine. Et le truc très fort dans son passif, bon, déjà, elle donne 5% de stats de base. 5% pardon de stats de base pour chaque allié humain sur le champ de bataille. Donc déjà ça les amis on prend. Et en plus de ça, quand un allié humain ou si Yori tape un ennemi, alors tu vas mettre un malus qui dure 4 tours, qui réduit les dégâts subis de 10% stack-up 3 fois et le malus il est grisé. Et aussi quand l'ennemi, parce que ce qu'il faut savoir c'est que tu peux mettre jusqu'à 3 malus maximum. Si l'ennemi a 3 malus et que pardon, Yuri tape, alors Yuri va bloquer les compétences AoE pendant un tour. Et ça, les amis, c'est ultra toxique. Donc, t'as de la réduction, plus un blocage. Ouais, non, les gars, c'est trop cancer, vous allez voir. C'est beaucoup trop cheaté. Et aussi la relique qui augmente death crit et res crit de 30% de tous les alliés. Ça, c'est pareil, les gars, c'est ultra fort. Hein. Non, mais vraiment, hein, ça vous permet de plus tanker, etc., qu'une team humaine. Sinon, vous allez voir le showcase, hein. Vous allez voir le showcase, les gars, mais vous allez péter votre écran. Hein. La team, elle est incroyable. Donc, cette deux cartes, le voici. Les stuffs, les voici aussi. Donc, HP Def. Hein. Pourquoi je joue HP Def et pas HP Def Crit sur Escanor? Tout simplement pour la relique. En fonction de la Def. Donc, 50% de ta Def, ça donne de l'attaque. Bon, j'ai fait la traduction à l'envers, mais en gros, ça prend 50% de votre Def et ça la transforme en attaque. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que ce que je venais de dire, ça voulait rien dire, tout simplement. Donc, ban, HP Def Crit. Yuri, HP Death Crit, hein. Et les Link en vrai sur ban, tu peux mettre Margaret Link ou peu importe. Roxy en vrai c'est plus optique pour faire beaucoup de dégâts forcément. Et bon, on est y par les amis. Hein. Arthur en sub. Bon, Arthur, je lui ai mis le stuff que j'ai sur lui depuis quelques mois. Flemme de changer. Donc le set de cartes, le voici. Et go, hein. En fait, le truc qui est trop bien, vous allez voir, c'est que vous tankez. Et vous faites mal, parce que forcément, il y a Escanor, il fait ultra mal. Il y a aussi Ban avec son combo, mais surtout Escanor. Escanor, les amis, il a cette capacité à one-shot. À one-shot très rapidement, facilement, ça dépend. Mais bref, il peut tout one-shot, hein, c'est le plus important. Ok, la team méta. Alors moi, j'aime bien fight les teams méta, tu vois. Comme ça, tu peux vraiment tester. Ah, on a l'ulti, ok. Intéressant. Donc là, fais voir les stats T1 de la team. Cacho, on a 600 000 PV. Hein. 600 000 PV, frérot. Hein. En vrai, est-ce que je ult rush Bon, ouais, je peux faire ça. Hein. Oh, Escanor, j'ai envie de te faire un. Wesh. Oh. Ekimas. Pardon. Pardon, les amis, je sais pas. Escanor, voilà. Escanor, hein. Oh, les HP que j'ai avec la team, oh, c'est inquiétant. Donc là, hop, il a tapé un allié humain, donc une réduction. Une deuxième réduction maintenant. Ouais, mais je prends aucun dégât. Hein. Ah, mais c'est terrifiant, les gars. Hein. Zéro van, hein. Fais voir le milieu. Ok. Donc là, on va bloquer ses compétences. Oh, ça. Hein. Je peux pas faire le mec. Lui, j'ai le one shot. Ouais, en vrai, je peux limite taper au pif en fait après. Hein, genre vraiment. Hein. Pas crit. Non, mais Escanor, oui, c'est trop mal le perso. Non, mais c'est terrifiant. Hein. Franchement, les gars, Escanor, il est terrifiant. Hein. Donc là, en fait, Ban, il a 20% de réduc. Plus les réducts de Ban. Donc là, il va aller à 30%. Mais regardez les dégâts que je prends sur ma team. Dis-toi, c'est un combo Ban. Full stack. Lol.
Donc là, on va bloquer les compétences AOE de ban, donc il pourra pas mettre 2 spé. Et bah GG, hein, vraiment, GG Wellplay, non. C'est quoi? Hop, je vais vous montrer, les gars. Je vais vous montrer. Lol. Hop, spé bloqué. Oh là là, mais toi, j'ai envie de te p... Wesh. Non, mais c'est trop grave. Hein. Le personnage, les gars, il est... Escanor, mais c'est trop fort. Hein. C'est débile, hein. C'est débile. Lol, non, mais vraiment, Escanor... Bah, le perso fait tout. Donc là, encore une fois, bah, regardez, en fait, le truc qui est trop bien fait avec le perso, c'est que les stacks, bah, ça reste, en fait. C'est pas comme, je sais pas, Heinz, où, tu sais, tu mets le crâne, etc. Après, ça dégage, le mec, il se fait cleanse. Ou si, bah, il meurt directement, hein, bien évidemment. Bref, c'est ultra bien fait. Donc, toute la game, si tu veux, tu peux bloquer les AOE. Donc là, hop, je remets un skill. Donc là, regarde, je vais rebloquer les AOE du perso, donc ça se paie, ici. Et j'ai... Non, mais vraiment, les gars, c'est cancer, hein. Oh, c'est terrifiant, hein. Oh, le personnage, les gars, il est terrifiant, hein, zéro van. Hein. Ouais, il y a eu un bruit bizarre. Est-ce que j'ai mis un bouffon en auto? Je sais plus. Ouais, c'est bon. Donc, ouais, les gars, bah écoutez, Yuri, honnêtement, bah elle est pas dégueu, hein. Même mon Heroes Arena, etc., je ferai des vidéos, je pense. Du coup, avec des teams non AOCP, vous allez voir que, bah, il y a moyen de faire des petites dingueries, hein. Honnêtement, le perso est pas mal. Hein. Genre, moi j'aime bien. J'aime bien le perso, je trouve il est très très fort, quoi. Ok. En plus, on peut enlever la potion avec le perso, je viens de tilter. Ah non, mais c'est trop bien. Hein. Vraiment, le personnage, les gars, il est bien fait. Hein. C'est rare que je dise ça, mais... Est-ce qu'on prépare un combo ban sur elle? Bon, elle est pas là pour faire des dégâts par contre, hein. En vrai, j'aurais pu la ken noir. En vrai, même la team, tu fais trop mal, hein. Franchement, les gars, la team, vous faites trop mal, hein. En vrai, c'est inquiétant de ouf, là. Okay. Nanashi. D'accord. Lol. Oh, les dégâts du perso. Donc là, hop, il vient de se mettre 20% de réduc. Donc on enlève la posture. Tac. On enlève la posture, on va enlever les buffs et on va tuer notre ami. Vraiment. Oh, en vrai, la team, les gars, elle est complète. Hein. Réduction, enfin, il y a tout, hein, je veux dire. Bon. Et Kimos. Lol. Oh, c'est trop grave, hein. Franchement, les gars, Escanor... Bon, malheureusement, je vais perdre ma spé. C'est pas... En vrai, c'est pas très grave, honnêtement. Mais... Ouais, bah, écoutez, la team marche très bien, hein. Dis-toi que là, j'ai pris des dégâts uniquement parce que Diane, elle a un passif en fonction des dégâts que tu lui mets. Wow. Elisabeth à la retraite, hein. Oh, vraiment, Elisabeth, allez, hein. Ok, je suis stun. Bon, ça, c'est un peu chiant, honnêtement. En vrai, on tue qui? Elle a combien de vie, notre amie Elisabeth? Oh, ouais, je la ken. Oh, ouais, je mets tout dans la bouche. Osef. Putain, mais Esca... Oula. Là, on crit, on tue, en fait. Oh. Non, mais Escanor, en vrai, c'est trop. Hein. En vrai, Escanor, regardez le DPS du perso. Non, mais vraiment, c'est inquiétant. Hein. Escanor, en fait, c'est le personnage qui profite le plus de cette team. Parce que il fait pratiquement tout, en réalité. Hein. Le perso tank fait mal. Non mais les gars, c'est beaucoup trop fort en fait. Hop. Tu sais les dégâts de ban vite fait. Pff. Bah non les gars, c'est inquiétant. En vrai honnêtement les gars, la team elle est inquiétante. Hein. Tu tank, tu fais mal. GG à toi. Même ban, hein. Ban en vrai les gars, il fait trop mal, hein, le perso. Hein. Ouais, Yori, les gars, elle est incroyable. Hein. Honnêtement, les gars, le personnage, il est très très fort. Hein. La team humaine, elle est peut-être de retour. Hein. Parce qu'en vrai,
T'as du DPS, tu tankes, t'as de la vie, t'as de la régène avec le passif de ban. Vu qu'il donne des HP liés, des stats liés pardon, au PV, donc t'as du vampi. En vrai les gars, rien à dire honnêtement. Ah, Esta. Attendez les gars, on parie combien que le mec a mis Esta Rosa? Ah bah. Voilà pourquoi bah, on peut plus jouer Melio, hein. C'est. Enfin Melio, Zahad, pardon. Jade, bref, peu importe. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Faire ça en vrai. Est-ce que je commence à le détruire un peu? Ouais, je vais mettre un petit combo, je vais commencer. Voilà, je mets juste la réduction. Hein. Allez, Scanner, après, fais-toi plaisir, mon ref. Hein. Allez, Scanner, après, Brie. Ok. Hop, 10% de réduc. 10% de réduc sur lui. 20% maintenant. Lol. Ah ouais, c'est. C'est bien débile quand même, hein. On va taper un peu tout le monde. De toute façon, te coup de hache en vrai, ça tue normalement. Ah les gars. Oh là là, Escanor. Oh vraiment, le personnage, il m'inquiète. Hein. Oula. Ça, frérot. T'as pas trop fusionné, hein. Ça va. Hein. Oh. En vrai, est-ce que mon perso est mort là? Bah non, en vrai, il est peut-être mort, les amis. Hein. Waouh. D'accord. Alors, par contre, frérot, faut peut-être calmer les skills de ban. Bah, attends, mais je crève pas là. Un troisième? Non, mais les gars. What the fuck? Mais la tankiness? Attends, mais là, les gars, vraiment, on 0 van, mais c'est inquiétant, hein, je vous jure. Hein. Donc, on va bloquer sa spé. Ouah, non, en vrai, les gars, le perso est complet. Hein. Wow. Allez, hein. On va bloquer les skills là-haut, voilà. Je mets la marque pour me régénérer parce que j'ai que ça. En gros, le tue, non? Pixel, bon, dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Wouah, mais la team, elle est trop forte! Le mec, il me fait zéro dégâts! Mais les gars, c'est trop grave en fait. What the fuck? Et voilà. Là, il n'y a plus la marque, donc il crie plus. Ouais, il me tue ou pas? Pixel. Waouh. Eh les gars, le perso il s'est pris, mais la foudre, hein. Zéro van, hein. Le perso a tout pris dans la bouche. Et il est encore là. Ah ouais, c'est. C'est inquiétant un peu. Hein. On va bloquer son spé à lui. Oh non, j'ai pas tué. Oh, j'ai la haine. Mais non. Ah, c'est ouf. Ah, j'ai eu peur. En vrai, je me suis dit, après, avec le skill, à la limite, je tue. Go bloquer son AOE. Ça se paie AOE, les amis. Tac. Même la plupart de ses skills, en soi. Bon, on a perdu ban, c'est pas très grave, en soi. Le combat, tu as 10 ans, mais t'as gagné, en fait. Lol. Ah, on a encore Escanor, hein. Les gars, Escanor, il fait tout le combat solo, hein, s'il souhaite, hein. On va bloquer tous les skills à haut de Merlin. Celle-là, elle a quoi? Ouais, elle aura 3 roses. Du coup, bah, elle est bloquée. Hein. Elle peut plus jouer. Elle peut plus jouer, pardon. Bah, GG Merlin. Counter avec un passif. T'es forte. Hein. Voilà. Donc là, Merlin, si je joue, je peux la contrôler. Mais tranquillamente. Hein. Sans difficulté. Hein. Bah voilà, hein, écoutez les amis, bah la team elle est cheatée. Yori elle est broken. Très très bon support pour la team humaine. Bah ok, bah écoutez les gars. Bah ça va regarder. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour tout compte des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchou!